compréhensible. On va pas aller loin. Qui ces paroles-là, ils vont nous manger, les gens. Ils sont prêts à nous manger. Ils ont faim. Quand tu passes là, tu sens l'odeur de choubouya. Pas qu'au fou, il veut te manger. Amen. Amen. Donc, Mouchi là, c'est sorcellerie. Sur ça, soyez à l'aise. Amen. Amen. Le contact avec le prophétie, Dieu vous guérit déjà. Amen. C'est comme ça. Le contact, déjà, c'est déjà fait. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un sorcier, c'est pas de l'orgueil. Non, je n'ai pas orgueil. Qui peut, moi, me regarder, tu peux résister. Tu n'es pas encore né. Je disais à leur appui, je dis, mais je cherche sorcier de Dieu, ils sont où? Ils m'ont cabiné là-bas. Venez devant moi un jour. Et puis portez vos fétiches, venez me voir. Ce jour-là, vous allez manger vos fétiches quand vous allez savoir qui est Jésus. Vous ne savez pas que quand le sorcier se convertit, il devient bon chrétien. Moi, j'aime bien les gens qui défient comme ça. Amen. Amen. J'ai fait beaucoup de villes de Côte d'Ivoire, beaucoup de villages, les plus dangereux de la Côte d'Ivoire. Ton Dieu là, tu sais que c'est les mangeurs d'âme. Tous ceux qui te disent bonjour là, hey, ils mangent d'or. Il te donne de lui, tu sais qu'il mange. Chacun te regarde dans ta chambre. Chacun veut te manger. Et tout ça, tu les attrapes. Allez sur le YouTube, les vidéos. Je les mets là, puis je les dis ça. C'est une notion. Amen. Démontrer que Dieu est puissant. Donc on rentre dans le village, on détecte, parce que c'est ça. Il faut avoir la capacité de détecter. Détecter les choses et les détruire. Nous, c'est ça notre ministère. La capacité de détecter, puis paf, détruisons la chose. Donc, on rentre dans le village, et je dis, il y avait un canari. Là, les sorciers sont là. La même nuit, il a été visité. Ils m'ont attaqué. Et ça, c'est clair. Je suis allé prendre la dame. Elle a pris un renfort. On l'appelle Koubamon. La dame. La mère de la mort. Ouais. Non, elle ne joue pas. Ça dit, c'est pas question de toi, tes petits feux, tu mets ciel. Elle va te manger. Non, non, sa photo. La voici là. Elle s'assoit si chaud. Un pâle. Tu dis, tu es un homme mort. Tu tombes. Donc, ils m'ont appelé. Ils ont dit, ah, prophète. Ils ont envoyé un renfort. Le renfort, ils ont envoyé là, c'est gâté ici. Non, moi aussi. Puis la dame là, elle est venue te manger. Garba, tout ça. Là-bas, c'est ici. Parce qu'une cloche ici, quand vous regardez bien, il y a deux qui mangent. Si vous regardez bien la cloche ici, regardez à côté de la cloche, il y a deux qui mangent. Il y a deux qui mangent là. Donc, c'est ça, point, 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 elle appelle mon âme. C'est la plus dangereuse de la région de Fès, de Sassandra. Tiens, toi. À cause des canaries mystiques. Parce qu'ils loussent les canaries. Et d'où ça? Je suis là dans le village. Elle est venue. Elle était dans la chambre en train de faire des incantations. Elle appelle mon âme zéro. Elle appelle mon âme zéro. Mon Dieu, il protège. Dis amen. Amen. Il protège. Tout le monde avait peur. Il y aura résisté là. Je vais l'attraper à ce donner à Jésus. Ah, il dit oui. Le lendemain, je suis là-bas. Je dis, madame, venez. Il dit, venez. Elle est sortie de sa chambre en train de menacer. Vous connaissez bruit de sorcier là-bas. Il est en train de la déloger là-bas. De la maison. Il a délogé de sa chambre. Voilà, voilà. Ça c'est clair, nous voici ici. Nous voici derrière elle-ci. Il la faisait sortir de la maison. Là voici là. Il est en train de la faire sortir de la maison. De sa maison. Donc elle est sortie. Je l'ai mis là au milieu là. Qu'est-ce que tu as? Elle m'a expliqué. Elle est venue me tuer. Elle est venue, tu es fort de tout. Je dis ça mes frères. Parce que Jésus a vécu la mort. Amen. Si c'est toi peut-être allais trembler. Madame, pardon, si c'est toi qui j'ai fait de mort déjà. Si c'est ça là, c'est bon. Il dit, je suis venu. Il l'a mort, mes frères. La porte pour dire la mort est un gain. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Car Jésus a vécu. Il a vécu la mort. Fais comment?
l'autorité et mon pouvoir. Donc je prends la table, je casse la table. Et jusqu'à 18h, le camp de celui-là s'est fiché. Je dis non, là, comment il connaît le pouvoir. Amen. Amen. C'est la clé. C'est la chose. Tout se passe alors. Donc tout ce qu'elle était en train de dire était bien. Amen. Et j'aime bien ça, le coucher du soleil. C'est ça qui t'a arrêté au Joseph, qu'on appelle. Jésus a dit, soleil, arrête-toi sur le cabane. Jusqu'à ce que les ennemis de l'éternel périssent. Il y a des choses que vous avez besoin de connaître. Amen, c'est des mystères. Le soleil, il s'attendait pourquoi c'est la lune. Ce n'est pas tout vous enseigne à l'église. Il faut connaître des choses. Eux, ils maîtrisent ces choses. C'est pour ça qu'ils ont plus de pouvoir que vous. Parce qu'ils ont plus de connaissances. C'est des mystères. Elle a commencé à parler quand le soleil, entendons, il a déjà maîtrisé ça. Donc je prends la table, je brûle la table. Donc, je vais vous montrer, j'ai brûlé la table, elle a commencé à rire. Elle est vaincue. Elle dit, ok. Moi, je suis vaincu, ok. Elle dit à 18h, hein. Voilà, voici le feu. Voici la table pour elle. Ouais, la table. Il est en train de voir le feu. Il est en train de brûler. Moi, il faut me lancer un défi. Ah, j'aime comme il dit. Quand ceci me parle mal, j'aime ça. Et Dieu m'a dit des choses. Il dit, aucun sorcier sur la terre ne pourra me terrasser. Il m'a dit ça avant de m'amener dans son ministère. Aucun fétiche. C'est pour ça que quand j'attrape un fétiche, je nettoie son pouvoir. À 15h, je vais la saluer. Je m'ai dormi. Comme je suis fatigué, il est fessier. Mais ouais, la porte là, c'est pour moi. Peut-être là-bas, il faut venir me manger. Peut-être tu vas faire 3 jours en train de me manger. Je suis allé dormir. Viens dormir. J'ai mis mon... Comment j'étais parti? J'ai mis le portable si je vivais à 19h. Quand 19h, ça sonne. Je me suis réveillé, pris ma brosse dans ma patte. Elle est assise là. Où elle est assise? Je suis fini de me brosser devant elle. Elle dit, hé. Il s'est salé, je me donne à Jésus. Il y a pas de pensée qui a fait pouvoir, qui a pas ça, il n'a pas de pouvoir. Mais lui, puisqu'elle a tué toujours les gens, mais du coup, même notre puissance est plus forte que pour elle, elle a décidé d'abandonner ce pouvoir pour se donner à Jésus. Il fallait ça. Les prophètes de Baal, ils savaient que Baal avait un pouvoir. Mais quand Élie a lancé le défi, les a terrassés, l'ancien culte est révélé, les gens sont obligés d'abandonner Baal pour adorer Dieu. Dieu est un Dieu de puissance. C'est ça que l'apôtre Paul dit, ma parole ne se repose pas sur les discours, mais aussi dans une démonstration de puissance. Il faut que la puissance de Dieu soit démontrée. Aujourd'hui, l'heure à la démonstration. Parce que la technologie est avancée. Les gens veulent démontrer les choses. Il faut que Dieu se démontre. Je n'ai plus dans les verbes. Non, la parole, non. Il faut que Dieu se démontre pour amener tout le monde à croire en lui. Amen. Amen. C'est ce qu'il a amené à la conversion. Quand on commence à parler, je suis la sixième. Calculer le canari. Je redis, voici le canari. Ça a bougé quand c'est venu. Nous tous, on n'a plus le canari devant elle. On a fait sortir la chair. La dame qui devait mourir, aujourd'hui, n'est plus morte. Amen. Elle a commencé à parler. Tous les journalistes sont venus. C'est comme ça la presse a commencé à me faire connaître. Tout le départ, moi, ça ne m'intéressait pas. Mais ça a étonné les gens. C'est quel homme? Il vient d'où, ce monsieur? C'est comme ça la presse. Eux, ils ont commencé à courir après moi. Courir, pour faire des reportages, des grands reportages. Elle allait sur la côtière. J'ai dit, cette côtière, elle doit être délivrée. C'est pour ça que l'État me doit beaucoup de choses aussi. Amen. Vous verrez ici, l'État me doit beaucoup de choses. La voici là, sur la côtière ici. Et en 2012, je précise très bien, en 2012, on était en train de prier. Juste après ça, 2 mois après, l'État a refait toute la côtière, depuis Grand là-haut. Jusqu'à 100 000. Parce que la sorcellerie met frein au développement. Et la route précède le développement. Et c'était une voie internationale. La San Pedro, Abidjan. Et elle était à la base de tout ça. Et elle avait des dragons. Quand on a brûlé la table, les serpents sont allés loger dans l'arbre. Et nous avons détruit ces serpents. Elle a démonté ces serpents avec du sang humain. Les blancs nous disent non, ça n'existe pas, sorcellerie. Ils sont malades, Dieu.
Les premiers à combattre la sorcellerie. Voici ça ici. Ils sont en train de construire votre foi. Parce que les œuvres là doivent vous amener à comprendre que Jésus est Seigneur. Je ne suis pas en train de faire la promotion de grâce que je suis. Je parle de Jésus. Frère, Jésus. Je ne suis rien. Je vous démontre la puissance de Dieu. Voici ces serpents. Nous sommes allés effectivement, on a battu là. C'est dans l'autre album là. On a battu là, on a fait sortir les deux serpents qu'on appelle les dragons. Tout récemment aussi, j'étais à Gros. Le roi disait, voici les serpents de Gros. Allons-y, je les fais sortir du serpent de l'éternité. Donc un homme de Dieu, un prophète, c'est un voyage. Amen. Amen. Ici, c'est une brigade anti-sorcier. Voici le serpent bois. Il y avait le serpent, tout ça. Et nous avons détruit le pouvoir du serpent. Aujourd'hui, ce village est totalement délivré et sous contrôle. Amen. Amen. Et dans le même village, nous avons trouvé une jeune fille. La voici là. Elle a donné le sida aux gens. Elle prenait du sang humain, fait de la loco-clapeau. C'est le meilleur clapeau du coin. Ici, elle est en train de faire une démonstration. Où est son bras ici? La démonstration là. Elle a fait la démonstration. Un serpent est sorti. Non, mais vous voyez vos petits sorciers manger des lotés, des mélotés. Oh! Vous savez ce que l'on a vu? J'ai moins noté, il est réel. J'ai toi les sorciers. Tu vas parler. Tu sais qu'on a ça sur la sorcellerie. La fille elle parle. Puis elle fait sortir un serpent. Aïe! Elle dit moins noté, moins mon père, son fils, ses oreilles. La vache, mais c'est pas là qu'elle sortit si elle est ici. Donc il dit, comment tu appelles là? Faut me regarder, elle m'a regardé, elle est tombée. On lui a éprouvé l'esprit, la parole de Dieu, même Dieu a le preuve. Il dit, comme tu es fort, regarde-moi. Quand elle a regardé la terre, elle a bavé, 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 s'est levée, elle dit, il est serein. Il est serein, c'est donc si dans l'an. Aïe. Regarde ça ici. Il y a sorcellerie, il y a sorcellerie. Il y a un petit manger d'hôtel, il y a un hôtel. Oui, il dit, les sorcelles, où est serein? Attends, j'ai construit un peu leur foi. Donc, je vous édifie un peu par les témoignages. Si les témoignages, ça édifie. Vous avez vraiment besoin de ça. Petit mangeur d'orteil, ouais. Elle est seringue dans sa main ici. Elle a pu tuer. Regardez ça un peu. Elle est seringue. Vous allez vous attendre. Elle a donné 60 personnes ici. Le médecin dit, depuis qu'elle bougeait, elle a dit, moi, il fait plus. Tu as ça. Il discute dans l'hôpital. On fait test. Il est seringue. 60. On les a tous alignés, la prière, ils ont été tous guéris. Sans le manifeste. Non! Elle est ici, elle est tombée, la rue m'a attaqué. Elle est tombée, la grande bavée. C'est né, il est sorti dans sa main. Vous avez vu l'Afrique? L'Afrique est pour vous, hein, ici, là. Nos parents, anciens combattants, là, c'est la sorcellerie, sont les plus en France. Les blancs, sachant que ce qu'ils ont déduit chez eux là, hein, ils sont venus prendre nos parents. Ce sont nos parents qui ont défendu le clan maréchal. C'est le nom nègre, on l'appelle ancien combattant. C'était les sorciers. Et ils faisaient sortir, par là, ils sorcelleraient. Parce que j'avais déjà déduit le bruit là-bas. Il fallait les aider, c'est les Africains qui sont venus les aider. Il y a un pouvoir ici. Nos parents étaient des guerriers. Ils avaient des pouvoirs mystiques pour cacher les villages. Vous connaissez bien votre histoire. Ils avaient des pouvoirs mystiques. Ils disparaissaient tout ça, les dieux, les éléphants, c'était les sorciers. Ça existe la sorcellerie. C'est un esprit, le gars est parti, mais c'est resté dans nos villages. C'est encore là. Donc c'est comme un héritage, c'est resté. Et tant que l'Afrique ne se débarrasse pas de ça, c'est très difficile. C'est pour ça que si ton papa dans ta lignée avec les sorciers, il y a une dette qui est restée là. Tu vas payer ça. C'est pour ça que nous allons dans les villages pour consacrer les villages. Je parlerai tout à l'heure de ça, des origines. Et je vous ai demandé le nom de vos villages. Le collègue de la maman et le papa, nous allons parler tout à l'heure sur ça. S'il y a quelqu'un qui va vibrer. Amen. 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 Frère, sur la terre, on se cherche. Hein? Je ne peux pas venir d'unité sur la terre, je suis désolé. Moi, si tu veux me rendre derrière, moi, je t'envoie à Mauritanie. La peine de frapper les gens, tout ça. Il y a une manière de les envoyer là-bas. Je suis en train de vous regarder, à mon souhait de votre foi. Il y a une manière d'envoyer lui là-bas. Il y a un jour dans la semaine, quand il passe, on va aller, il va sous la terre.
Sinon, ça aussi, on va le frapper. Il faut le laisser. Il y a une manière de le prendre. Tu dois envoyer là-bas. Le jeu, tu me lances des filles. Moi, j'aime ça. Moi, je te tue. Parce que la vie et la mort sont au bout de mes lèvres, a dit Proverbe. La vie et la mort sont au bout de mes lèvres. Vous avez fait attention. Amen. Amen. Jésus, c'est le pouvoir. Il a fait de nous des héritiers, nous sommes des rois. Vous allez voir un roi qui n'a pas de pouvoir. Pour lui voir ta position. Il ne faut pas être négligent, il faut être chrétien. Convoie-toi Christ. Parce que Christ domine, c'est tout. C'est ça ton problème. Tu es chrétien toclo, comme ça. Amen. Donc ici, nous réglons la courage sur ce délice. C'est ce qui nous intéresse. Notre domaine, c'est la destruction des œufs du diable. Et c'était le ministère de Jésus. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu, guérissant les malades et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Il est écrit dans 1 Jean 3, le verset 9, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et la Bible déclare aussi, Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a point pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, mais pour libérer ceux qui sont captifs. Ce n'est pas seulement annoncer une bonne nouvelle. Quoi, il prêche bien, le pasteur prêche bien. Chez nous, c'est la parole. Et celui qui est possédé, qu'est-ce qu'il fait? Délivre-le. Ça va de pair. Prêcher et délivrer les gens. Il est possédé. Malgré ton bon message, si tu ne le délivres pas, il sera vraiment difficile que cette personne soit un témoignage. Dieu veut faire de toi un témoignage. Amen. Il y a quelqu'un qui veut faire de toi un témoignage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est tout. Dieu, il faut que Dieu te bénisse, te délivre. C'est notre ministère. La destruction des œuvres du diable. La destruction. Et le problème de l'Afrique, je vous assure, c'est la sorcellerie. Depuis que je suis rentré dans ce combat, moi personnellement, j'ai compris. Et ça me révolte encore et encore. Ça me donne assez de force de sillonner les régions, les villages, aller libérer les captifs. C'est pour ça que les gens aimeraient. Non, le prophète n'est pas Abidjan. Il faut quoi Abidjan? Sorcier, vous n'êtes pas village. Je leur dis, je suis prophète des villages. Oui, il y a les sorciers. Il faut venir en France, en Angleterre. Mais il y a quel bon sorcier là-bas. Il peut voir sorcier. Et quand une personne a la sorcellerie, la personne n'est plus positive. Donc, quand une personne dit, je suis sorcier, mais pour moi, c'est bon, il ment. La définition, c'est quoi? Lanceur de sort. Lanceur de sort. Celui qui lance un sort, sort, scellerie. Je suis sorcier positivement. C'est ça ce qui parle beaucoup là. J'ai parlé à Aziz 40 ans, il ne parle pas. Je lui ai dit toi, j'ai fait plusieurs vidéos, depuis 2 ans, il parle sur toi. Tu n'as pas dit que tu passes. Tu es où? Le jour où on s'est rencontré, tu mailles la poussière. Ferme la poussière, il faut dire de souffler là-bas la musique. Nous sommes en plein message ici. Amen. Amen. On ne joue pas le pouvoir de Christ. Ou on a le pouvoir, ou on n'a pas le pouvoir. Jésus, c'est le pouvoir. On dit Amen. Amen. Tu as quelqu'un, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Tu as quelqu'un, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Qui croit à la Seigneurie de Jésus? Amen. Qui croit à la Seigneurie de Jésus? Je vous dis ton problème, c'est trop petit. C'est un petit problème. Banaliser ça. Amen. C'est un tout petit problème. Donc, le sorcier, c'est un lanceur de sort. Donc, quand quelqu'un a la sorcellerie, il a un danger pour lui-même. Pourquoi il explique? C'est quand ils vont faire l'initiation, ça se fait comment? Il y a toujours l'initiation. On t'a initié. Pour initier une personne à la sorcellerie, qu'est-ce qu'on fait? Quand la personne veut t'avoir, elle vient physiquement te donner un aliment que tu manges. Et ça affaiblit ton corps. Et ils ont accès à ton esprit qui ira dans leur confrérie manger. Et quand ils arrivent là-bas, la personne s'assoit. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus. On fait asseoir la personne, toute la confrérie. On te donne du pain, la viande et du sang. C'est comme le sang de Jésus. Le pain et le vin. Une alliance, un pacte. C'est pour ça que c'est difficile pour eux de dire la vérité. C'est difficile pour eux de sortir de cette confrérie. Donc on te donne la viande et la chair humaine. Voilà.
Et on les appelle les mangeurs d'âme. Parce que l'homme est constitué de l'esprit, l'âme et le corps. Et l'âme est dans le sang. C'est la partie énergétique de l'homme. C'est pour ça que le sorcier est accro à l'âme. C'est pour ça qu'ils vieillissent beaucoup. Si Zali devait faire 20 ans, ils sont 4, chacun se partage 5 ans, 5 années, 5 années. Ah, le vieux sorcier. Mais aujourd'hui, les vieux sont plus, les enfants sont les plus dangereux. Les enfants sont les plus dangereux. Amen. Amen. Donc quand la personne mange, elle est obligée d'aller prendre quelqu'un pour donner. Quand quelqu'un dit les sorciers n'a pas donné, il ment. Pour avoir droit à la parole, c'est que tu as donné quelqu'un. Ils sont pas malades. Ils disent les bons sorciers, les bons, c'est solo, on fait là-bas, c'est petit bouton. C'est pour manger l'homme. Donc ça doit vous faire peur. Quand on parle de sorcellerie, ça doit vous faire peur. Vous cherchez à soigner l'enfant. On ne joue pas avec les sorcelleries. On ne joue pas ça. Quand ça sort, il faut régler ça. Non, mais ils tuent vos consciences. Ils vous font dormir la conscience. Oh, quand assis l'enfant là, voilà. C'est ça le diable. Comment l'enfant fait sorcier, c'est ça. Mais c'est ça. Dis à quelqu'un, c'est ça. Tu considères un vagin. C'est lui qui va te manger. Il va te faire sauce, plala, placali, tu vas comprendre. Tes oreilles à manger ça. Comment l'enfant a fait faire sauce? Mais c'est ça. Et pour avoir accès à la maison, ils vont forcément venir initier une personne là. Là, sur une antenne là. C'est pour ça que celui qui vient sur ton toit, il va savoir qui, avec qui tu marches. Frère, frère, le jour tu as ignoré ça, tu es un homme mort. C'est Judas qui a trahi Jésus. Ton ennemi ne vient pas de loin. C'est pour ça que j'aime le prophète, vous pouvez voir, excuse-moi, il dit, il a plus peur de son ami que de son ennemi. Oui, lui, il est un ennemi. Mais ami, il a encore plus dans Dieu. Parce qu'il est dans ton intimité, il prend le temps de te maîtriser. Quelqu'un qui donne des informations sur toi négatives, que tu apprends ça, lui là, c'est pas quelqu'un qui peut aller loin de toi. Même si tu es quoi, tu as des qualités, il doit te protéger. Mais qui t'expose, c'est un sorcier. Vous devez bien étudier, ouvrir les yeux. Vous marchez n'importe où, vous riez tout le monde, il peut être tout le monde. Que c'est ça lui. Même moi, des choses que je ne dois pas avoir comme information. Quand ils ont vu l'étoile de Jésus, ils sont venus dire à celui qu'il ne fallait pas dire, et Hérode, nous avons vu l'étoile d'un enfant, ça l'a troublé. Ah maman, j'ai mes fiancés. Tu connais bien. Ah, ma cousine. J'ai rencontré un monsieur, il a l'âge. Il a fini ça. Hein? Alors il le voit. Elle fait manger un poulet. Quand vous rentrez à la maison, elle est sous bas. C'est-à-dire travail la nuit. Quand on est sous bas, elle travaille la nuit. La nuit est ferme sur toi. Le matin, tu l'appelles. Ça fait orange bonjour. Vos correspondants ne peuvent pas être appelés individuellement. Tu dis, c'est pour une erreur. Peut-être c'est fermé. Il a trop dormi la nuit là. Attends, disait Orange, bonjour, vos correspondants ne peuvent pas être joints. Il dit, bon, peut-être que la batterie est tout chargée. À 14h, Orange, bonjour, vos correspondants ne peuvent pas être joints. À 18h, Orange, bonjour, vos correspondants. À 20h, Orange dit, je suis reparti. Il est parti. Amen. Maintenant tu pleures. Seigneur, il te fait quoi? Tu parles beaucoup. Tu n'as pas de secret. Tu vas à Paris, tu as déjà habillé tout le quartier. Tu vas à Paris, tu as un costume. Il t'a envoyé chaussure. Il t'a envoyé truc chemise. Il fait malin pour ajouter là-bas. Ah, tu vas à Paris. Tu as parti à Paris. Amen. Le jour où Saül a su. Quand David a tué Goliath, les femmes étaient en train de chanter. David a tué 10 000.
ça illumine. La jalousie. C'est trop jaloux, tu deviens sorcier. Trop jaloux, tu deviens sorcier. La jalousie haineuse. On est jaloux. Quand on voit quelqu'un dans l'enfance, on est jaloux. C'est un sorcier. Quelqu'un ne s'est pas apprécié. C'est un sorcier. David a Dieu Goliath. Apprécie ça, tu as eu peur. Le petit l'a fait. Reste tranquille, sorcier. Les hommes ont eu raison de chanter. Mais Goliath, c'est pas n'importe qui. C'est pas ton camarade. Il était prêt à te tuer, tu as fui. Il faut apprécier les choses. Celui qui n'a pas apprécié, c'est un sorcier. Et les gens ne savent pas apprécier les gens. Toujours prêt à condamner. Ah non, ah, lui là, il va commencer. Ça va pas finir. Regardez, regardez, vous allez voir. C'est comme ça toujours. C'est un sorcier. Ça ne va pas avancer. C'est un sorcier. Celui qui me garde du courage. J'ai foi en toi. Il est bon. Je vous le dis. Non, ce n'est pas les amis qui bizarres. C'est un ami qui va te tuer. C'est Judas qui a montré où Jésus priait. Jésus était à Gethsemane, qui connaissait là-bas. C'est ton lieu de prière. C'est là-bas qu'on voit. Judas dit le voici. Vous vous confiez à tout le monde. Mon mari là même, il me paye les tripes. Le matin, elle est chez le mari là-bas. Vous parlez beaucoup. Il y a des choses que vous devez garder consacrées. Vous savez pas que c'est à partir des informations qu'on attaque l'ennemi. C'est pour ça que les gens mettent assez d'argent dans le service de renseignement. Oui, assez d'argent. Donc quand ils viennent chez vous, ils ont la capacité de mettre des radars de surveillance. Même en parlant aux enfants, ça doit être très attention. Riche avec les enfants. Les enfants viennent demander manger partout là. Le monsieur qui ne sait pas qu'il est la même nuit, il peut changer toute ta vie. Il peut renverser ta maison. C'est pour ça que vos maisons doivent être consacrées. Amen. Venez, on va aller consacrer vos maisons. Amen. Amen. Parce qu'on ne rentre pas dans la maison comme ça. Maison, tu es là, il y a un problème. C'est que tu n'es pas consacré à Dieu. Une maison va être dédiée à Dieu. Parce que ton âme se repose. C'est là qu'on espère. Tu es prochain, tu fais un cauchemar. Moi, il ne fait pas cauchemar. Non, 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 non. La présence de cauchemar prouve qu'il y a un démon dans ta vie. Dieu est où? C'est pour ça qu'avant de dormir, prenez le psaume 4, verset 9. Psaume 4, n'oubliez jamais ça. Le psaume 4, verset 9. Quand vous répétez ça 7 fois, vous devenez invisible. Quand vous répétez 4 fois, 7 fois le psaume 4, verset 9, vous devenez immédiatement invisible. Moi, je suis prophète. Donc, moi, je suis dans la prière prophétique. Je ne suis pas dans votre prière de pasteur. Moi, je suis dans les mystères. Je me couche, je m'endors en paix. Car toi, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Amen. Vous savez que l'âme du chrétien, c'est la prière. L'âme du chrétien, c'est la prière. Et la seule chose que le diable va attaquer dans ta vie, c'est la vie de prière. C'est le jour où tu as pu commencer à prier, c'est fini. Il t'a eu. Quand Jésus a fini dans le jardin de Gethsemane, il s'approchait, les disciples dormaient. Ça faisait orchestre. Il y avait batterie, il y avait guitare solo, piano, tout ça. Pierre, hein? Il y a quoi? La chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il dit veillez et priez. En fait, ne pas tomber dans les tentations. Est-ce que tu as une vie de prière? Moi, 3 heures, 4 heures, ne tout pas dans mon lit. Je suis debout. À cause de l'aurore. Frère, à cause de l'aurore. J'insiste toujours là-dessus. Quand je demande les gens, la journée se détermine à 4 heures du matin. Prenez le psaume 119. Je vous enseigne ça pour ceux qui sont nouveaux. 119, verset 147. Il y a des heures de prière. Amen. Il y a des heures où les hommes se lèvent, sont là. Amen. Moi, j'ai déjà bouclé la journée là, ça se boucle là. Donc, tout ce que tu as fait, vous avez la journée là. J'ai une porte. De toute façon, tu rentres ici à l'église là. C'est comme il y a une porte de la journée. De toute façon, il y a porte physique, il y a porte spirituelle. C'est à partir de la porte que tout vient. C'est pour ça que Dieu ne joue pas les portes d'entrée.
Il y a une porte. Les sorciers demandent les sorciers à partir de 84 secondes. Le psaume 119, verset 47. Écoutez très bien. Écoutez très bien. 119, le verset 147. Je dévore l'Europe. Il dit, je dévore l'Europe. Et je crie. Et je crie. J'espère en ta promesse. J'espère en ta promesse. Oh, l'Europe, c'est ce qui fait la transition entre la nuit et le jour. C'est l'Europe qu'on appelle matin du bonheur. L'Europe qu'on appelle matin du bonheur. C'est ce qui fait la transition, passation des services. La nuit a ses réalités. C'est à partir, oh, c'est à partir de la nuit que le jour arrive. Tout se passe dans la nuit. Tout ce qui va t'arriver se passera dans la nuit. L'arrestation de Jésus se fait dans la nuit. Tout se fait dans la nuit. C'est dans la nuit que tout pousse. Et déjà dans la nuit, on parle du jour. Une heure du matin. Ça commence déjà par la nuit. Donc eux, ils reconnaissent ce pouvoir. C'est la nuit qu'ils arrivent à attraper. La femme, les deux prostituées, c'est dans la nuit que...